À quelques jours de l'ouverture de la campagne des présidentielles, il est temps de passer en revue les concurrents de la course à l'Élysée. Candidat de droite, maître Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Il a, au cours de l'été dernier, monté une tournée à l'américaine, plantant sa tente du nord au sud de la France. Le cirque Tixier n'ont pas manqué de dire ses adversaires. Enfin, à Paris, il a parlé de l'un des X de l'élection présidentielle. Le président Pinay est, comme vous le savez, un homme de bien. Il a toujours dit « je ne suis pas candidat ». Il a même dit un jour « et même si je devais être élu, il faudrait pour cela que je n'habite pas l'Élysée ». Sorte de trois pièces cuisine où le président ouvrirait lui-même la porte. Si nous mentionnons pour mémoire le maire de Saint Chamond, M. Antoine Pinay, c'est qu'on a beaucoup parlé de lui comme candidat éventuel du centre droit. Mais M. Pinay, résistant aux sollicitations, s'est toujours déclaré non-candidat, sans pouvoir, il est vrai, convaincre ses partisans d'effacer le point d'interrogation. Le sénateur centriste Pierre Marcilhacy est, lui, candidat affirmé. Nul ne m'a dit que j'étais indigne de la charge pour laquelle on m'a demandé de me présenter. Je dois donc en déduire que ceux qui m'ignorent le font parce que je me suis refusé à vendre mon âme au diable. Enfin, M. François Mitterrand, candidat de l'opposition de gauche, soutenu par le Parti communiste. Pour un républicain, il n'y a pas de légitimité personnelle supérieure à la légalité. Reste la candidature du président sortant. Après un long suspense, elle paraît aujourd'hui plus que probable, à en croire notre confrère Georges Altschuler. Le général de Gaulle pose officiellement sa candidature. Nous vous avons présenté les autres candidats à la présidence. M. Tixier-Vignancourt, M. Pierre Marcilhacy, M. François Mitterrand. La liste doit être complétée aujourd'hui par les noms de M. Paul Antier, qui sollicite les voix paysannes, et du candidat du centre, M. Jean Lecanuet, qui a commencé son tour de France en hélicoptère. Je veux la continuité réelle d'une démocratie stable, qui repose sur le peuple et les institutions, celle où les hommes passent, mais où l'État demeure. Quant à M. Antoine Pinay, longtemps cité comme candidat possible, il a sans équivoque affirmé sa volonté de ne se présenter ni contre ni sans de Gaulle avant d'aller jouer les observateurs dans sa propriété de Saint-Chamond. Les Français y voient maintenant plus clair et pourront le 5 décembre choisir en connaissance de cause.